sur Boréal Camping. On a une petite avarie technique, un petit problème d'œuf. J'en ai charrié là-dedans des années de temps, puis pour la première fois, j'en ai de cassé. Et ça n'a pas fait trop de dégâts. Fait que là, on va s'installer. Fait qu'aujourd'hui, pour faire différent un petit peu, ben, j'ai pas de sleeping bag. Mais j'ai une couverte de laine. Présentement, il fait moins 5, moins 6. Il annonce moins 9 cette nuit. Mais on devrait être confortable pareil parce que on va essayer un super shelter. Au pire, ben, le Jeep est à 15 minutes à pied maximum. Okay. On sera pas trop dans la misère. J'ai confiance. Donc on va commencer à s'adopter ça. Commencer. On va. Fait que l'origine, je vais le faire avec des toggles. Un gros toggle. Ensuite, on va se couper une coupe de petites longueurs. Un prussique. C'est rigide en masse. Une bonne étape de fait, on a un beau petit shelter. Maintenant, il faut le transformer en super shelter. C'est relativement simple, c'est l'ajout d'une feuille de plastique en avant. Donc on va se mettre en œuvre. On va l'attacher de même. Ah. Thank you.
là-dedans, tu regardes bien. Fait que l'assemblage, je l'ai tout fait avec des nubs. C'est-à-dire des petits bouts de bois avec une corde. Dans... Oh! Il manque quelque chose. J'ai oublié la feuille de mylar dans le fond. Oups! Bon, ben, retour au design. J'ai réussi à installer le mylar tant bien que mal. Fait que j'ai mis une branche pour le garder collé en haut. Puis là, en tassant mon sac à dos, ben, j'ai déchiré. J'ai patché au duct tape. Toute une aventure. Fait que là, ça va être le temps d'aller bûcher. Puis va falloir bûcher pas mal. Parce qu'il faut que ça brûle toute la nuit. Parce que j'ai juste une couverture de laine. Huh.
Fait que j'ai pleinement confiance au concept de M. Kochensky, parce que j'ai amené juste un petit matelas de sol d'hiver puis une couverture de laine. Donc, je vais dormir dans mes vêtements, dans une couverte de laine. En théorie, avec un... Je sais pas encore si je vais faire un feu sibérien ou un long feu, là. Un long feu court, mettons. Pour un super shelter, M. Kochensky recommande à peu près 3 pieds pour un long feu. Feu sibérien, ce que j'aime, c'est qu'on avance juste les logs de temps en temps, puis ça fait la job. Je vais y aller selon mon inspiration du moment. Fait qu'on attend la braise pour pouvoir se faire un souper. Fait que présentement, dans le shelter, on est à moins 1.2. Et à l'extérieur, on est à moins 8. Ce gain-là, c'est avec un tout petit feu qui est quand même relativement éloigné. J'ai l'impression, mais que je mette les grosses logs là-dedans, ça risque d'être pas pire confortable. Je vais essayer de tasser le feu d'un côté pour avoir un petit coin, me faire au moins un café en attendant le souper.
flop total. Non. On va rester là, je pense. C'est pas joli, joli, là, mais... C'est bon. Ça a le même goût que quand c'est assemblé comme faut. De la cuisine déconstruite. Moins 9. Il fait 2 dans le shelter. C'est un feu pas si gros que ça. Et puis je bloque une bonne partie de la chaleur. Puis la porte a été ouverte comme la moitié du temps dans la dernière demi-heure. C'est rien pour aider non plus. OK. Je viens de rentrer dans le shelter. Ça fait une dizaine de minutes. J'ai fermé la porte comme il faut cette fois-ci. Là, on est rendu à 11.7. Il y a du potentiel. Mon feu est trop petit. Il est peut-être même un peu trop loin. Et je serais dû pour m'en occuper. Ça, je sens que aux heures et demie, là, faire ça dehors pour aller m'occuper de ça. C'est ça que ce sera pas le meilleur sommeil du monde. Mais bon. Je dors pas petit bout. Il est 1h30. Il faut que j'entretienne le feu à peu près aux heures. Okay, je fais un petit somme. Je vais dans le feu, je fais un petit somme. Mais honnêtement, c'est mieux que de coucher dehors. Il est 2h45. Tantôt, j'étais allé replacer le feu. Tantôt, il fallait que j'aille avancer les logs sur le feu, puis je regardais ça, fallait y retourner trop souvent. Fait que j'ai coupé tout ça en deux, puis j'ai décidé de faire un long feu. Ben, c'est la chose à faire. Monsieur Kochensky avait encore raison. Je vais vous montrer ça. Maintenant 15 dans l'abri, c'est super confortable. Puis on dirait qu'il fait plus que ça, honnêtement. Puis si je manque pas de bois, je vais passer une fin de nuit assez confortable. Ça a l'air d'être parti pour brûler pendant un bon bout de temps. Donc, on vous ramène sur du développement. Il est 4h08. Avec le feu long, la température se maintient un petit peu plus égale. Il me reste du bois pour une recharge dans le long feu. Ça fait un petit bout que le long feu brûle. On est à 24 degrés. Bon ben, 6h10.
J'ai réussi à passer à travers la nuit sans geler. Je trouve ça le fun, j'ai pas vraiment eu froid tant que ça. Des fois c'était frais un peu quand c'était rendu le temps d'avancer les bûches avec le feu sibérien. Mais avec le long feu, là, quand ça tombe sur la braise, ça reste chaud quand même. Assez pour être confortable à bon bout. C'est moins drastique. Il est 7h05. Il fait 10 dans le shelter. 7h05. On fait encore 10 dans le shelter. Même si le feu est pas mal bas. Ça marche. Le feu est à l'extérieur avec la membrane de plastique. Oui. Définitivement. Avoir fait un long feu dès le début. Là. J'ai passé la nuit à 20 degrés. 20-25 degrés. Ça n'a pas été la meilleure nuit, mais ça a été pas mal éducatif, par exemple. Faire le shelter plus petit, plus compact, avec un long feu devant. Probablement, s'il y avait un petit peu moins de vent aussi, ça a venté vraiment beaucoup cette nuit. Mais d'après moi, passer la nuit à 20-25 degrés, c'est facile. J'avais ces vêtements-là, puis une couverture de laine, puis j'ai pas eu froid du tout. Je me réveillais quand ça tombait aux alentours de zéro, là, je commençais à trouver ça frais un peu. Je revenais mettre du bois. Mais ça a vraiment commencé à bien aller quand j'ai mis le le feu sous une forme de long feu, plutôt que le feu sibérien. Si on fait le modèle de Mr Kochensky, le feu, ça devrait être un long feu de 3 pieds à peu près. Donc finalement, oui, avec une feuille de polythène et une feuille de mylar,
si on a de quoi pour couper amplement de bois, on peut survivre pratiquement indéfiniment, moins 40 avec ça. Ok. Notre feu est éteint. Il a laissé un beau cratère. L'emplacement de la toile. Juste deux, trois petites bûches. Un petit peu d'écorce de bouleau. Ça ressemble à ça.